Ah, oui, monsieur. Et c'est tout le monde ici, les GhostCraft qui est la première humeur. On se retrouve pour notre deuxième partie sur le premier DLC de South Park, là, ça, qui est Une nuit à la Casa Bonita. Eh oui, avec les petits Mexicains, hein. Avec les Américains, donc. Bon, bref, donc là, si vous voulez, après avoir, si vous voulez, la partie 1 que je vous ai vraiment très prometteur et qualitatif, et on se retrouve pour, si vous voulez, la deuxième partie. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas vu le premier épisode, après, si vous voulez infiltrer, et bien sûr, est devenu un nouveau super-héros, mais carrément genre du démon. Bon, bref. Donc, là, si vous voulez, après, Peter, si vous voulez un certain, et ben on doit essayer de récolter 5 tickets pour avoir un jeton un peu spécial, après, qui pourrait dévouer la porte et de conclure. Donc, là, maintenant, comment on fait? Attends. Bonjour, madame. L'ours au sombrero. Ok, un petit selfie? Attends, selfie. Tu plaisantes, j'espère. Pas avant que je siffle celui-là. Allez, selfie. Un selfie. Je suis pas d'humeur. Ok, et vous, madame? On s'éclate pas des masses, hein? Un selfie. Tu plaisantes, j'espère. Pas avant que je siffle celui-là. Ok, sinon, autre chose. Un petit coup de main. Bon, bref. Attends, mais comment ça joue ça? Attends, comment ça joue? Donc, non. T'as fait non. Bonjour. Bonjour. Je peux jouer à ça? Oh, salut! Non mais attends. Non mais, comment je fais pour jouer? Ah, attends. Attends. Non, comment je joue? C'est quoi ça? Attends, y a-t-il un moyen en fait pour jouer? Parce que là, si vous voulez, on doit gagner, si vous voulez, 5 tickets pour pouvoir, si vous voulez, avancer. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un ticket, c'est un quart d'objet et... Ok. Attends, mais comment je peux... Attends, tu vas me dire qu'il faut essayer de les trouver? Alors, comment ça marche? Interagir. Oh. Fish Quest. Oh mon dieu. Ok, bon. Un petit jeu, d'accord. Oh mon dieu, tu veux pas me dire ça en problème? Oh merde. Bon. Ce chemin mène droit au ciel, maman. Fais juste attention aux colonnes. Attends, non, t'es sérieux? Ils ont fait le même quoi, mais en version 8? Bon, allez, un petit Flammy Bird version South Park. Donc là, on y va doucement. Et au bout d'un moment, ça va cesser. Donc on y va doucement. On prend son petit temps. Là, j'avoue, là, les développeurs, ils avaient plus d'idées et tout, donc du coup, là, ils ont décidé là, de... Allez, mec, on va essayer de reprendre ce jeu, vu qu'ils ont un peu chié. Ils ont... Point, point. Attends, comment on va faire? Attends, quoi? What? Ils sont allés jusqu'à atteindre les 10 000? Mais ils sont sérieux? Pas les 10 000, je veux dire, les 100 000? Attends, il y a le 0. Mais attends, je vais tenir autant longtemps, ça? Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, ça va être l'enfer. Bon, allez, continue. Bon voilà, on va essayer d'aller doucement et on va prendre son temps. Doucement, on y va doucement. Non mais non, Dieu quoi, c'est bruit de paix quoi, on lui bite là, c'est n'importe quoi. Et doucement. Aïe! Ah mais ça fait que ça m'énerve! Je peux réussir, je peux réussir. Allez, on reprend. Ah mais pourtant j'ai bien réussi pourtant les autres fois quoi, c'était ici mais là... Non mais ils sont sérieux quoi? Tu vas pas me dire quoi? Attends, on y va doucement. Et je te parie que le dernier va jouer un peu au pixel près. Non mais tu sens bien le jeu, petit jeu de merde qui arrive. Hein. Doucement. Personne n'a jamais vu un truc pareil. C'est bon. Tu crois que c'est normal? Là, on monte, on monte. On descend. On fait un gaffe. Voilà, c'est bon. Voilà, on y va doucement. C'est une des choses les plus incroyables de tout. Oula, 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 ça accélère, ça accélère. C'est bon. Doucement. Doucement. Oh, oh, tu vas à une de ces vitesses. Oula, 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 oula. Oula, oula, là, oula, 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 ça bouge, ça bouge. Vite, hop, hop, hop. Attention. Doucement, 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 doucement. Voilà, c'est bon. Autre chose. C'est la fin. Non, pas le démon, pas le démon. Mais je vais crever, moi. Non, 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 pas touche, pas touche. Aïe! Non! Point, point! Non mais... Non mais c'est... Attends, quoi, j'ai gagné 2 tickets? Oh! Mais attends! Attends, attends, et il y en a d'autres? Interagir. Oh, celui-là va jouer un peu au jeu de tir. Attends, comment ça marche? Tac. Ah ok, je vois ce qu'il faut faire. Vite, il faut tirer sur les petits manches. Allez, hop, tac, tac. Vite, vite, il faut les tirer, il faut...
J'en prie. C'est quoi c'est tout? Non, et dur. Autre chose. Autre chose. D'accord. Bon, il fait essayer de tout tirer, hein. Attention. Boum. Oh, un beau petit 50. Et hop. Ah non, il s'est enfui. Ah non, pas la TNT. Attends. Et s'il fait ça? Ok. Ok, ok. Un 100. Un 100. Oh, yeah. Non, il s'est enfui. Ding-ding. C'est bon. Ok, un petit ticket. Bon, on peut y aller. Bon, puis là, je peux faire un peu mieux. Il est toujours. Oh, encore un ticket. Attends, on a 50 total ou quoi? Oh, interagir. Oh, attends. Attends. Ah, oui, je vois. Ah, ok. Attention. Oui. Attends. Maté pour charger. Et orienter aussi. Oh, ah, oui, je vois. Ok. Bon, oh, pas mal. Attention. Ah ok, je me fous également dans votre balle. Oh oh oh. But dans ta gueule. Pff. Ok, donc en fait c'est je me fous un fion et on essaie de viser. Ok. Zou. Non le robot mais il fait que des 10 ou des 0. Allez, je peux réussir. Ah, non, attends. Pouf. Yeah. Stylé. Si, si. Attention. On charge. On tire. Non, 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 non. Que des 10. Bon, 40. Allez, on essaie d'en faire encore. Allez, on essaie de recommencer. Bon, un ticket dehors, ok. Mais là, on va quand même réussir. Oh, 6. Bon, je dis pas non. Donc là, ok, c'est... On charge. Poum. 30. Ouais, bon. Là, on peut, là, il faut essayer d'atteindre le milieu. Poum. Non, 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 non. Oh ta gueule. 10, moi j'ai atteint des 40. Attention, attention. Poum. Oh yeah, mais tellement BG ça. Attention. Attention, on tire. Hop. Oh 100, parfait. Attends, est-ce que je peux atteindre les 200? Attention, attention. Non. 100. Bon, on verra que on a fait mieux. Mais bon, pas mal, pas mal. Du coup, ça m'a fait gagner combien? 2 tickets or. Oh, le double. Donc, entre ces jeux-là, et ces jeux-là. Non, ça, je peux pas interagir, ça non plus. Bon, allez, il est temps maintenant d'acheter un peu. As-tu déjà admiré une collection aussi rare de bacs? Allez, hop. Alors, on se peut, j'ai la garantie de remplacer... Attends. La garantie de remplacer les larmes d'un enfant par un sourire. Ah, ok. Attends. Ah ok, donc tu sens de récupération ultime. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Non, ça ira. Attends, donc fouillez le niveau inférieur du restaurant et trouve une relique. Voilà. Sérieux, elle est extra cette chasse au trésor, non? Je suis sûr que c'est encore plus fun qu'une fête chez James Woods. Oh non. Alors mission, du nouveau? Cigarette se transforme en vampire Kranios, je m'en voudrais terriblement. Un petit selfie. Karen ne sera pas en sécurité, je ne prendrai aucun selfie. Ok, sinon. Quand les enfants vampires seront éradiqués, les gothiques vivront misérablement en paix. Ok, un petit selfie. Oh, un selfie. Oh, c'est mort. T'en veux pas? Non mais vous êtes sérieux les deux? Moi je dis. Tu t'en mordras les doigts. Tiens, cadeau. Donc attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, fiche mission. Donc fouille le niveau inférieur du restaurant et trouve une relique. Le niveau inférieur, donc ça veut dire au premier étage, si je ne me trompe pas. Allez hop, on monte, on monte, on monte. Alors, il y avait quelque chose par là. Non. Ok, non. Il n'y a rien du tout là-haut. Allez, d'abord, je casse ça pour libérer. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdames. Avez-vous une relique dans les parages? Attends, c'est quoi ce coffre? Coiffure, tout ça. Non. Il y a... Où y a-t-il une relique? Elle est où? Attends, inspection de recherche. Non, 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 non. Je vois rien du tout. Attends, et si je vais au bout du truc, tiens, et que je fais inspection, peut-être que je vais trouver quelque chose. Attends, pas là, hop. Inspection, non, non, j'ai fouillé un truc, y a rien du tout. Non, je vois rien du tout. Alors, donc, s'il va par là, donc il doit être encore donc de l'autre inférieur. Si vous n'êtes pas
avec nous, mortel. Vous êtes contre nous. Attends. Non, s'il y avait un truc spécial, quoi, on peut le faire. Et ouais, il est encore. Bon, je vous avoue quand même, se laisser, ils vont pas mal. Non, je vais pas encore péter la gueule. Un coup de main ? Si seulement j'avais plus de pièces achetées à l'intérieur du puits. Bon, hey Cartman, tu finis de bouffer ? On a du travail à faire. Bordel de merde ! C'était pas la peine. Ah, j'adore taper Cartman, hein. J'adore taper dans sa crèche bien gargantuesque. Merde, c'était pas la peine. Hey, va chier avec. Bâtard, bordel de merde. Putain, bon. Mais c'est ok, le double champ fait kiffer, c'est pas Christophe Lemoine, mais c'est apparemment un certain Loïc Audrey. Ouais, c'est un certain Loïc Audrey donc qui double Cartman dans ce jeu. Non mais dommage quoi, Christophe Lemoine, lui, il a vraiment une voix sublime. Ok, c'est ici. Bonjour. Ah, tu crois ? Chiquita le gorille dit qu'il veut des sopapillas. Ah bon ? Et tu veux mon gros pétard ? C'est pour boulot. Pardon. Ok, donc là il fait une main et maintenant il reprend les deux. Attention. Attends, attends, déjà on va arrêter le temps. Hop. On va déplacer ce baril. On va le caler bien au milieu. Et on se tire. Attention, déjà, on tire. Et on pète. Allez, pète une gueule. Allez, maintenant, c'est l'heure un peu de combat. C'est l'heure de combat, Chiquita. Oh, ça va chier. C'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. En mode Kong. C'est l'heure du combat. Laissez tranquille, les enfants vampires sont cool. Chiquita le oh oh. Dit, passons une super fête d'animation. Oh mon dieu, s'il fait ça, il va essayer de nous prendre et nous éterritiquer. Ah bon? Eh tiens, bouffe ça! Allez, chouing! Arrête de nous embêter! Rendez-moi alors la petite amie de Sharkany. Oh oh. Ah non, refusez! Retour arrière! Par contre, je vous avoue, par contre, chez les autres, j'ai vraiment mal au fion. Et une KO. Parfait. J'approche. Oh, vite, il faut dégager de là. L'enfer. Ah bon? Et ça? Oh, il manque plus qu'un point de vie. Mais là, je vais mourir pour le feu. Et toi, brousse ça. Ça va piquer un peu. Tout à fait, avec un peu de damasque avec. Parfait. Donc là, je suis un peu dégagé. Ok, je peux pas aller plus loin, donc... Attends, qu'est-ce que ça fait? Confère d'attaque boostée, protection et une des malus. Oh, parfait! Allez, on fout maintenant ça sur Cartman! Vive Satan! Tiens, un cadeau, c'est des ficelles attachées ensemble. La nuit vous réserve un triste sort, mortel! Lopé! Raté! Achète-toi, lunette! C'est toi, ce connard! On va goûter à ça! Est-ce que je peux essayer de faire une sorte de repoussement? Non, c'est mieux ça, ça, hop, attention, zoom, boum, et la poing. Bon, à plus la gouttière. Oh oh. Et ouf. Ah ok, donc il fait pilier par pilier. Très bien, bon maintenant, il est temps de lui péter la gueule. Ah oui, lui, il est carrément le joueur, il est mastoc. Qu'est-ce qu'il fait plus de dégâts? Non. Bah non, celui-là, il fait plus du gars. Allez, tiens, mange du grouille. Ah, par contre, il est dans le sans défense. Oh non, t'es sérieux? Faut dire que ça fera plus de bouffe pour moi. Voilà. Maintenant, il est temps de passer au gorille. Oh. Attends, ça fait quoi? Riva, j'épouse les trucs d'un membre de l'équipe. Allez, tiens, goûte ça. Je me demande du goût ça. C'est un bon usage, ton nez. Vie fauchée, attaque boostée. Oh oh. Oui, oui. Oh, ultimate prêt. Là, on va commencer à chier. La prochaine fois, je t'arrache cette manche ridicule. Attends, y a-t-il moyen au cas où? Attends, ici, je fais ça, hop. Allez, hop. Goûte ça. Je ne sais pas à quoi tu as affaire. Oh oh, oh oh,
Non, c'est bon. Ouf. En fait, c'est... On fait quand il n'y a pas une préfin. Oh non. Faut-il qu'il rajoute une couche. Alors, si je rentre ça, ça marche pas. Attends, B, ça fait quelque chose. Ah ouais, ça c'est mieux. Allez hop. Mon chat. Oh. Ouais, t'es foutu. C'est comme ça qu'on suce trop de mauvaises nouvelles, connard de vampire. C'est ton coup de jouer. Ah oui, oh oui, parfait. Allez hop, sortiment de la fiche. Ah, cette attaque-là m'avait beaucoup manqué. Ouh, chouette. Non mais là... Oups, pardon. Non, là, faudrait vraiment éliminer, hein, là. Et tout ça, faudrait vraiment passer à une attaque suprême. Déjà, hop. Tiens, boum, 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 boum. Et pan. Headshot. J'suis mort. Et à plus. Oh oh. T'es grand, oui. Pourrait toujours faire carrière comme capteur professionnel. Attends, 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 il faut que j'utilise l'ultacro de résurrection. Mais vu que je suis trop loin, il faut que j'essaye de trouver une stratégie. Bon, déjà, donc, on va déjà un peu lui invoquer les bras. Donc, boum, tac, tac. Tu sais profiter des autres, ah, régénération, merci. Attends, donc si je fais... Donc, okay, donc là, il y a déjà seulement si... Bon, je vous rajoute du bouche, mais bon, allez, hop. Tac, 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 tac. Efficacité, parfait. Bon, là déjà, je me mets là. Donc, allez, hop, un tacos. Ah non. Ah non, ça c'est encore une importance que tu t'es de santé. Donc, qu'est-ce qui permet de ressusciter? Non, non, non. Bah non plus. Ouais, qu'est-ce que je peux résister? Non, j'ai aucun moyen de résister, j'aurais dû faire mes potions. Bon bref. Bon, on peut dire qu'on n'a pas d'autre choix. Oh donc du coup ça peut pas de reculer. Attends, qu'est-ce que je fais plus attaque? Ça mais je peux laisser un peu 50. Allez hop. Tu as croisé le chemin du mauvais CM1 immortel aujourd'hui. Bordel Mysterion, ça te tuerait d'être un peu plus enjoué. C'est bon, oh non, ils ont encore évoqué les gamins, genre de ça. Allez, hop, on essaie de lui faire bobo, comme ça au moins, on est vite réglé. Yep. Ah, merci. Et si je fais seulement, donc je peux le toucher un petit peu, si je fais ça, non. Non, sinon c'est toujours celui qui fait plus dur. Allez, tuc, 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 tuc. Demande à ta mère de faire un bisou sur ton bobo. Bon, là, et si je le... Ah ouais, je fais headshot direct. Bon, allez, hop, c'est parti. Et voilà, plus de King Kong. Voilà, parfait. On peut dire qu'on a fait ça dans une efficacité. Parfait. Voilà. Donc là, on a fait tout. Fouille la cave de Black Bird et trouve une relique. Ok. Alors, vous avez quelque chose à dire? Pourrait-on vivre en paix, dit Chiquita le Gorille à voix haute. Fais ton boulot. Allez, un petit selfie pour te pardonner. Chiquita le Gorille d'aller un peu mieux après l'avoir mise à mal. Allez, un petit selfie. Bon, j'ai pas fait tout ce style là, mais bon, hein. Ce sera ajouté au montage. Chiquita le Gorille devrait se reposer. Oui, parce que quand même. Eh bon, messieurs. Pourriez-vous nous dire quelque chose? Manuel, mon ami, n'aime que deux choses, sa trompette et son sombrero. Selon Raphaël, c'est la moustache qui fait le mariachi, mais l'homme à sa droite pense que c'est la chevelure sombre et soyeuse. Daniel, c'est le deuxième type à la droite de Manuel. Il s'est apprécié une tenue de mariachi traditionnelle. Ok. Des choses. Je peux faire les cheveux, je peux les faire chier. Dios mio. Bon, c'est le fils. Oh non, désolé, il ne peut pas. Oh, 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 c'est quoi ça? Attends, une pinata. Attends, j'en fais. Tac. Bon, chacun sur son côté. Et hop, on est bonnet. Attends,
J'aimerais bien péter ça. Non, ça marche pas. Bon, allez, attends. On casse ça. Et hop, c'est quoi comme cadeau? Dégradé, tout ça, donc bien sûr du loot. Oh, dépôt. Hop, et maintenant on monte et on continue à chercher la dernière relique. Oui, après avoir trouvé la dernière monique, on va pas vraiment. Alors voyons voir. Attends, c'est quoi l'autre mission? Fouille la cave de Bat-Bart. Ah ça, ah il a dégagé. Parfait. Autre chose. Cigarette se transforme en vampire craignos. Je m'en voudrais terriblement. Bon, on y va. C'est parti. Dans les catacombes les plus profondes. La dernière relique est là. Bouge-toi et trouve-la, relique. Ah ok carrément, c'est à l'intérieur du truc là. Ils ont même pas fait chier. Donc là, je peux tomber. Allez, ici. On va en prendre une autre. Attends, il y a un moyen que je peux essayer de récolter. On peut dire que c'est un pépère. Attends. On fait tac. Oh, et on fait yeux. Tac. Black Bart est un pirate? Je suis paumé. Hé, hey, on risque. Là, c'est moi qui ai fermé les yeux. C'est à moi. Ta gueule. Bon, ok, donc là c'est bloqué, donc je peux pas faire. Donc on va aller en dessous. Bon, attends. Voilà. Ah ok, donc là je peux faire retour arrière. Oh, attends, je sais ce qu'on va faire. Attends, non, avant de monter, donc du coup, on fait. Attends, comment on fait? Comment je fais pour déplacer? Attends, je me mets sur les rails. Et hop. Voilà, parfait. Donc là, si je peux allumer. Normalement, ça sent se péter. Ah non. Ah non, c'est bon. Oh, il y a un crâne. Alors, je suis venu ici, je suis le catabombe là de pirate, et là-bas le pirate il me laisse là. Ah oui, c'est vrai. Allez, oups. Attends. Ah voilà, allez, on fait retour arrière parce que là, il faut libérer un passage. Et voilà, nickel chrome, parfait, et dans une splendeur parfaite. Et oui, tout est parfait. Et hop. Voilà. Là maintenant, on pète. Bon, si je pète, ça n'a pas marché. Ça le fait tout de suite. Ça fait du choc à pic. Bon, allez, on continue. Là, c'est moi qui ai perdu. Non, bah non, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est... C'est de l'or? Attends, comment je fais pour monter? Ah, mais attends, j'ai trouvé. Attends, j'ai trouvé ce qu'il va faire. Attends, donc là, si je fais ça, hop. Et là, je peux engrossir donc le wagonnet. Bien sûr qu'il est tout là-bas. Et du coup, on va essayer de le tirer. Voilà, c'est amené avec un petit accéléré. Donc du coup, là, on va essayer de le prendre et de le caler un petit peu. Attends. Je veux bien. Ici, on pousse. Voilà, et maintenant, je peux monter et récupérer tout le loot qui est là. Hop, caillasse, et de la caillasse. Ok. Donc là j'ai vérifié tout, donc normalement tout est ok. Attends, si je continue par là. Non, c'est un bouchon. Ok, donc là j'ai tout fouillé ici. Problème, c'est comment je fais donc pour accéder à là. Attends, je peux. Non. Si je casse ça. Si je monte. Ah, et que je reconstruis, je peux traverser ce truc sans souci. Ah, mais c'est malin ça. C'est quoi ton problème à toi? Attends, mais comment je fais pour essayer de... Ouais, attends, oui, sûrement, il y a vraiment rien. Attends, comment je fais? Donc si je peux pas traverser par ici, donc vu qu'il y a des passages, comment je fais donc pour essayer d'escalader de là? Ouais, chers amis, c'est bon. J'ai commencé à comprendre en fait comment résoudre ça. En fait, c'est que là, en fait, ça permet, si vous voulez, de récolter de l'or, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en fait, la solution était devant mes yeux. Attends, donc si je casse ça, donc ça fait tomber la lampe, je peux directement péter dessus. Là, vu que ça allume la dynamite, ça fait boum. Du coup, je peux escalader. Ah, mais c'est malin, ça. Attends. Non, attends. Déjà, on casse ça, car on a un coffre à récolter, donc qui est là. Castiqué. Wouh. Ah, ouais, hein. Déconnage zéro. Donc je casse ça, ça permet de libérer les trucs. Attends, non, je peux pas viser juste sur une planche. Donc là, j'explose ça. Bon, là, je fais... Bon, là... Là, je pète là pour gagner plus de temps.
Et si je peux être... Attends, mais comment je fais pour... Là, je peux pas vu que je suis trop loin. Attends, comment ça marche? Comment faire pour que ça marche? Attends, mais il faut être facile. Attends, j'ai compris le truc. Attends, il faut essayer de déplacer le tonneau pendant que je suis dans... Donc je fais ça, hop, j'amène par là, et vu qu'il est tout près de toi, il va exploser tout de suite. Donc je me mets bien loin, et normalement, je vais faire boum. Non, ça marche pas. Bah oui, on coupe c'est vraiment casse-tête. Donc là j'explose, un truc qui pète, tout ça, blablabla. Voilà, parfait. Et oh, ah mais attends. Ah, d'abord. Voilà, là c'est parfait. Des choses ici. Non, alors déjà, je vais déjà essayer de déplacer ce chariot. Hop. Là où je peux faire retour arrière. Mais d'abord, je vais déjà monter. Pour autant payer pour le chariot. Donc du coup, je ramène ce truc là. Hop. Donc là, je... Ah non. Vite. Ouss. Bon, bah tant pis. Je suis trop con, j'ai oublié de faire la pause. Enfin, j'ai oublié de faire un chaos control. Boum. Bah oui, en fait, je suis trop con. En fait, quand je fais un chaos control, ça arrête le temps, comme dans Sonic. Attends, on va aller plus loin. Are you seriously? Ah, si je peux aller plus loin. J'ai réussi à la planter. Donc, je l'amène par là. Est-ce que je peux? Ouais, parfait. Bon, là. J'explose et je pète. Voilà, comme ça, on gagne du temps. Allez, hop. Le gros coffre. Ok, recette. Ça, je m'en fous un petit peu. Bon, là, on peut dire là que... Là, j'ai compris la solution. Allez, hop. Et là, on fait retour arrière pour atterrir... Enfin, que le wagonnet soit de l'autre côté. Et là, du coup, je peux casser ce panneau. Et on pourra continuer par ici. Oh, ça doit commencer à venir glauque, sombre. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Oh oh. Oh mon dieu, encore des vampires. Donnez-nous la relique. C'est ça que tu cherches, mon négro. Faudra nous passer sur le corps. Nous, les enfants vampires. Mais c'est qui, lui? Pas vrai, les enfants vampires? Ouais. Venez, on va les bouillir de sa mère. Non mais, et c'est qui? Bye vampire. Mais j'ai qui ce black? Bon, bah on va savoir tout de suite. Oula. Et ils sont là partout. Ok, donc ils vont interagir un par un. Ok, donc là il y a mis protection. Ok, donc là ils vont mettre presque protection à tout le monde. On peut dire que là ça va chier. Là ils font les petits déplacements et tout. Donc tac, ils se mettent carrément en position. Non, pas sur lui là. Hein. Pas, tu fais pas en premier tour. C'est pas toi. Congriffe en place. Très bien. Donc maintenant, comment faire? Donc déjà, on va. Attends, déjà, c'est qui ce gars? Vampire Black. Oh tiens. Bon, un peu d'originalité, je dis pas non. Bon, voyons, voir comment je fais pour. Non, ok, je suis trop loin. Donc là, lui, je suis bloqué. Je peux faire une. Ah, là, je peux faire une brochette. Allez, hop, brochette. Schling. Pour un chasseur de vampires, mais t'es pas George Clooney, enfoiré. Ta gueule! Ah bon, ça, attends, qu'est-ce qu'il veut baisser sa garde? Ah là, je peux baisser sa garde, et hop! Oh, la gaffe! C'est quel genre de magie noire de conneries de merde, ça, mon négro? Tout ça. Oui! Oui! Ah, il fait des sangs! Ouf! Ah ouais, là, il déconne zéro, hein! Oh putain, qui nous tape! Oh, il coupe de pied le black! Pas de racisme. Bon, allez hop! Maintenant, il est temps de faire un peu de feu. Normalement, eux, là, ils sont une sorte de protection, mais je peux faire celui, donc là, ils pourront se mettre en feu. Mais on fera ça un peu plus tard. Déjà, c'est l'heure de mettre le feu. Combustion. J'ai une confidence à vous faire sur les vampires et l'immortalité. Donc là, je vais un peu déjà baisser sa garde. Ah, oh, la garce. Tu peux pas tuer un immortel, enfoiré de merde.
Ok, donc là, je sens que ce combat va être très corsé. Je sens le sang. Et tout pâle, et c'est pas un compliment. Ouais, c'est ça. Veillez sur les plus jeunes. Ça brûle. En même temps, il y a de l'ail dedans. Ou alors. Ah, mais ça fait mal, dis donc. Bon, ok, il n'y a pas d'autre choix. T'embêter quelqu'un de ta propre... Non. Absorbé par les ténèbres maintenant, foiré de merde. Là, tu vas payer cher. Donc voilà, donc déjà, un, descendu. Et tiens, goûte ça. Enfoiré de merde. Minute, mec, c'est pas cool, cette merde. Là-bas, tu veux goûter ça? Et hop, il faut essayer de l'éliminer en premier. Minute, pas la peine de pointer du doigt un enfant vampire inoffensif. Et hop, goûte ça. Et soupe. Ça ne va faire qu'empirer. Voilà, petit décalage. Oh, c'est l'heure de l'ultime âge. C'est crépuscule temps. Ok, il faut sur les autres, c'est parfait. La nuit ne fait que commencer. L'empire cube, on va se régaler. Tu te brûles. Je vais savoir. Ok, donc il fait ce Cartman. Allez-vous-en, trou de balle mortel. Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Ok, maintenant c'est au tour de Cartman de retrouver ça. Oh, c'est parti. Affiche. On y marque 3-2. Yes, Link. Et boum. Arrêtez de sucer toutes les champagnes, Villa. Efficacité max moi. Oh là, c'est parfait. La brochette. Choui. Et avec un bon rebondi efficace. Tu peux pas tuer un immortel, enfoiré de merde. Ok, maintenant, il est temps de finir les petits. Mon petit cul immortel, gigote de peur. Ah, bon, deux secondes, j'ai vu que j'étais bugué. Ouf. Donc là, si je fais là, donc là, je fais repoussement. Non, bah, en fait, c'est pareil. Et hop, un bon petit repoussement. Donc zou, hop, et là, boum. T'es jaloux de mes super pouvoirs. Stupide mortel, c'est plus marrant. Ah bon, oui, ça. Non. Attends, donc si je fais ça, donc... Attends, on va déjà m'occuper de lui. Allez, vite. On rush. Allez, hop, coup de poing. Boot machine. Et hop, coup de poing, là, il est mort. Mettez-vous du code. Et maintenant, tac, et fini, terminé. Ça me fait plaisir. C'est pas un mec en pyjama qui va me mettre... Oh, meilleur qu'on a fait, ça, son victoire, parfait. Bon, je veux quand même un peu hardcore, quoi, parce qu'il y a plein de petits gamins, il y a un black au milieu, enfin, c'est le king. Eh, mais donc, hein. Bon, il y a la relique. Bon, on a la dernière relique, on y va. Ok. Mais quand même, d'abord, voyons voir ce qu'on a là. Oh, de la thune. On va acheter la money. Et hop, on récolte. On ouvre. Oh, ta. Alors, t'as trouvé le petit bling qui est là-dedans, hein. Alors, qu'est-ce que tu en as fait, hein. Tu vas essayer de me renvoyer là pour voir mes coussins. Ta. Bon, est-ce que je peux... Je récolte encore ce dernier résultat, voilà. Bon, maintenant, je peux ouvrir cette porte. Ah, ok, ça me ramène de l'autre côté. Non, une fois que tu passes par là, tu peux rien. Bon, très bien. Vu qu'on a toutes les reliques. Vas-y, Tronduc, serre-toi les reliques pour ouvrir la porte. Bah, on verra ça dans le prochain épisode. Et oui, parce que je me dis là, ça pourrait être, si vous voulez, la dernière partie. Donc là, si vous voulez, la troisième partie reste sur le fin d'être finale prochaine. Donc si la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche là pour recevoir toutes les notifications à chaque fois dans une vidéo. Je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo où on va pouvoir, si vous voulez, conclure peut-être ce DLC. Tchuss!